vidéo d'Ami et Hugo. Et aujourd'hui on va se faire le seul morceau que j'attendais énormément du projet de Quecra. Quecra Pull Up 2.0. Bleh. Bordel de merde. Oui. Teasé sur les réseaux. Mais il y a un engouement autour de ce track, c'est incroyable. Mais mec, mais moi quand j'ai entendu l'extrait sur Twitter, j'étais comme un dingue, j'étais en mode mais ce sera mon morceau de l'été. Mais mec, il y a rien de nouveau sous le soleil. En mais fait, c'est pas c'est une question de il se vibe. Oh, il se vibe. Il se vibe. Non mais vibe, l'album de Quecra est chaud. Oui. L'album de Quecra est chaud. Je l'ai écouté en vrai. Ah, il est chaud. Et chaud. En gros, j'ai bien aimé comment ça. Mec, ses ouvertures. Ouais. Les prises de risque sont excellentes. Puis il maîtrise aussi différents styles. Mm. Et propre. J'ai aimé parce qu'il a gommé un peu ses défauts, tu vois, de faire des doublons. Même sur l'écriture, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant maintenant. Il y a beaucoup plus de substance. Les vocales sont vraiment, vraiment, vraiment chauds. Et puis il y a des hits en fait. T'as l'impression que sur cet album, il a compris un peu comment être catchy, tu vois. Enfin, la recherche ouais, sans non plus de l'endettement trahir son et sans trahir son ADN. Donc non, franchement, l'album, faut aller checker. Il est très, très chaud. En et, plus, je crois qu'il il s'est bien vendu. Je crois qu'il y a eu des bons chiffres. Ouais, il a eu des bons chiffres. Il a eu 17 000 en première semaine. Ce qui était beaucoup par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Ouais, je crois, ouais. Hein. Mais après, en fait, lui, c'est vraiment le mec de niche qui a consolidé oui, une fanbase. Sûr, et sa oui. fanbase est très, très fidèle. Ouais. Ouais, dans le cœur. Donc, voilà. Bah, écoute, du coup, il y a une réédition qui est sortie. De mais que d'un son, c'est ça? Non, je crois qu'il y en a d'autres. Hein. Ah, ok. Attends. Parce que là, il y en a deux. Là, ça s'arrête à la track 18. 17, ouais, non. Non, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Ah, il n'y a qu'un seul son. Il n'y en a qu'un seul qui est sorti pour l'instant, mais je crois que. Mais ils ont annoncé des morceaux en plus. Ok. Ok, bon, on va s'écouter Pull Up 2.0, Quecra et Boumidjal X de Double X. Qui est énormément présent sur la voix. Let's fucking go! Ok, bon, et bah, je suis totalement satisfait du morceau, voilà. T'es conquis? Oui, mais bah, tu sais, quand t'écoutes un snippet en boucle pendant des mois... Sérieux, à ce point? Mec, ouais, franchement, je l'avais téléchargé et tout, laisse tomber. Ah, et en général, t'es déçu quand le morceau il sort, parce que tu sais, tu te fais des idées de ouais, ouf. Ouais, et ouais, tout. Ouais. Mais en vrai, non, je suis grave satisfait. Après, j'attends quand même de l'écouter dans une voiture ou au soleil. Ouais, ouais. Bon, voilà, tu vois, vraiment, c'est un morceau. C'est de ride-dance. Ah oui. Ride-dance au soleil. Il faut être dehors, tu vois. Ouais. C'est vraiment un morceau, je trouve, totalement ensoleillé. Et en fait, ce que je kiffe sur le morceau, c'est que il y a un côté orchestral et symphonique un petit peu, tu vois. Il y a un truc qui du début jusqu'à la fin là un synthé et genre je trouve que ça donne un aspect orchestral ouais orchestral un peu grandiose et tout mais sur des vibes été et tout et c'est ça m'avait rendu dingue en fait quand j'avais écouté ça j'étais là en mode mais ouais c'est quoi ce délire et tout et putain franchement toutes les mélodies sont justes. Même quand il va dans les aigus, c'est jamais en mode où il va trop haut, oh, l'autotune là, non c'est super bien géré. C'est pas strident, c'est hyper agréable en fait. Pourtant tu vois l'autotune quand tu vas grave dans les aigus,
c'est difficile de faire dans l'agréable, tu vois. Ouais. Mais je trouve que lui, c'est, ça coule en fait, tu vois. Ouais, ça glisse. De toute façon, c'est un des mecs qui maîtrise le mieux. Hein, ouais, le France, hein. Ouais, bah oui, c'est clair. En plus, sur différents styles, tu vois. C'est des styles ensoleillés, des styles plus sombres. Mais bon, il maîtrise son truc, hein. Après, c'est vrai que moi, pour moi, le morceau, je le trouve pas extraordinaire. Je trouve bon, mais voilà, pas à m'en taper le cul par terre, tu vois. Mais bon, après, c'est une question de sensibilité. Hein. Ah ouais, c'est une question de sensibilité. En tout cas, ouais, ça couronne quand même un beau projet de Kekra. Et j'insiste, vraiment, faut écouter l'album. Moi, je me suis pris le son, la jeune voyou. Mais mec, ouais, et pourtant, c'est pas mon délire, ce genre de son afro-caribéen et tout, mais lui en fait il a trop un délire stylé, tu vois. Genre, j'ai l'impression d'entendre du Burna Boy, mais vas-y, un truc un peu street et. Ah ouais, je dis à fond. Comme le morceau Voyou de Damso sur Calf Infinity, ouais. C'est le seul qui n'est pas orné d'une lettre grecque, ouais. Mais putain, oh, je me suis pris ce truc là en grower, gros. Et qui sort en plus un peu de. Ah oui, qui dénote totalement, ouais. Mais en fait, comme tu l'as bien expliqué, c'est la transition avec Calf. Calf. Et ouais, vraiment, il y a des morceaux comme ça qui ressortent l'été et franchement, ouais, ça vaut le coup de l'écouter. Ça veut dire que l'artiste est très fort s'il réussit à te faire aimer un morceau dans un style que d'habitude tu n'aimes pas du tout. Exactement. Genre là, c'est de ouf. Artistiquement, c'est très fort. Ouais. Donc, enfin bon, bah écoutez, dites-nous ce que vous avez pensé de ce bonus Pull Up 2.0, si vous avez été satisfait de nous dire ce que vous avez pensé de l'album. Ouais. Voilà, d'en profiter, hein, de une bonne réussite, une bonne surprise, une déception. Surtout les fans de Kekra. Hein. Vraiment, les fans de Kekra, j'aimerais qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils sont nombreux! Parce et ils sont nombreux. Nombreux! Tout à fait! Ils et sont c'est nombreux. Quand vous remettez vrai le 3 sur la chaîne et machin! C'est pas de votre faute! Le droit d'auteur, mon pote! Elle est bloquée la vidéo, donc on ne peut rien faire! Tu crois, à ton avis, c'est pourquoi qu'on cut les vidéos? Oui, il y en a qui disent, il faut laisser tout le morceau! Oui, mais tu ne verras! Après, la vidéo existe plus! Mais tu ne verras pas, la vidéo ne va même pas passer le robot en fait! Tu ne la verras pas, donc mon pote, voilà! Et bien, tout ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui sont Amigo 1 sur Twitter, Amigo sur Insta. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous. Peace.